Le Maroc et les autres pays du sud de la Méditerranée, ils ont aussi ces intérêts communs avec l'Union européenne. Ils ont accepté de jouer le rôle de gendarme des frontières européennes. Ils jouent le gendarme de l'Europe et en même temps le conciliateur avec nos pays européens. J'ajoute un dernier élément, c'est que le Maroc, en essayant de calculer qui sera membre de l'OIA tel qu'il est aujourd'hui, les chartes et les principes de l'OIA imposent au Maroc d'ouvrir ses frontières envers les Africains. L'OUA, organisation de l'unité africaine, remplacée depuis 2002 par l'UA, l'Union africaine, est une organisation politique constituée de nombreux États d'Afrique. Sous l'impulsion du roi Mohamed VI, le Maroc vient de la réintégrer en 2017, alors qu'il en était sorti en 1984. Cette même année 1984, le Maroc de Hassan II avait formulé une demande d'adhésion à la Communauté économique européenne, l'un des ancêtres de l'actuelle Union européenne. Depuis le rejet de cette demande d'adhésion, 30 années se sont écoulées et l'idée d'une intégration du Maroc à l'Union européenne s'est dissipée. C'est pourquoi ces dernières années, le royaume a radicalement changé sa stratégie en se tournant de nouveau vers le continent africain. En plus de l'UA, le Maroc a également candidaté à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, prônant la libre circulation. Cette politique d'ouverture à l'Afrique devrait permettre l'augmentation de l'arrivée régulière de subsahariens dans le pays. Mais la question migratoire n'est pas au cœur de ces accords, qui sont avant tout économiques et diplomatiques. Le Maroc joue ainsi un rôle assez paradoxal vis-à-vis des migrants subsahariens. En s'ouvrant à l'Afrique, il facilite leur arrivée jusqu'à la frontière du vieux continent. Mais en participant à la politique sécuritaire de l'Europe, il leur empêche le passage de cette frontière. Face aux critiques extérieures et intérieures sur les difficultés pour les personnes en situation irrégulière, le roi a lancé deux campagnes de régularisation pour les sans-papiers en 2014 puis 2016. Donc un régulier, c'est quelqu'un qui est entré sur le territoire régulièrement et qui, selon les dispositions de la loi, donc 0203 qui gère les questions d'entrée, de séjour et de sortie du territoire, ont pu fournir les éléments leur permettant de régulariser leur séjour. Donc c'est les 77 548 étrangers qui séjournent au Maroc régulièrement, toutes nationalités confondues. Un régularisé, c'est un terme qui n'existait pas avant, qui n'est pas juridique, et qui désigne donc les personnes qui ont été en séjour irrégulier et qui ont régularisé leur séjour via l'opération de régularisation. Donc il y a régulier, régularisé et irrégulier. Le programme de régularisation était notamment supposé permettre à tout étranger présent au Maroc depuis plus de 5 ans ou atteint d'une maladie grave d'obtenir un titre de séjour d'un an. On rappelle que le GADEM a salué cette initiative royale. Donc on a dit que on a bien accueilli cette initiative qui a permis de régulariser plusieurs milliers de personnes qui étaient installées ici au Maroc. Et puis après, il y a eu la deuxième phase de 2016. N'empêche que on a fait plusieurs remarques, on a fait plusieurs communiqués concernant cette campagne de régularisation. Comme par exemple, on a notifié le fait que avoir une carte de séjour d'un an, c'était pas suffisant pour les personnes pour mieux s'intégrer. Ça donne pas assez de temps pour la personne pour mieux s'installer et s'intégrer ici au Maroc. Selon un récent communiqué de l'intérieur, donc ça a été changé pour 3 ans. Outre la durée du titre de séjour délivré, les principaux concernés notent d'autres entraves à la régularisation. Le roi, il a dit, on peut se régulariser, mais on rencontre aussi des petits problèmes. C'est-à-dire tu peux être là depuis 5 ans, mais personne ne veut te filer une preuve des 5 ans. Un bailleur peut bien savoir que tu es là chez lui depuis 5 ans, mais il ne veut pas te filer la preuve comme si peut-être il a peur
d'une représailles ou des taxes ou tu vois. Et il y a des ONG qui sont supposées nous aider, tu vois, qui savent que nous sommes là depuis, mais ils ne veulent pas nous donner la preuve. Réguliers ou pas, pour les subsahariens, les problèmes d'intégration sont plus profonds que le seul niveau du légal. D'autant plus que beaucoup ne souhaitent pas s'installer au Maroc. Les Marocains, eux, ne nous veulent pas au Maroc. Mais nous, on cherche à aller en Europe. La vague de la régularisation, c'est bien. La régularisation extraordinaire, c'est bien. Mais lorsque la régularisation arrive à la fin, on n'a plus des émigrés, on n'a plus des immigrés sans papier, dans une situation irrégulière. Et une grande partie des immigrés qui sont déjà régularisés, ils ont ou mort dans l'année dernière, ou ils ont quitté le pays vers la Libye, vers la Tunisie, vers l'Égypte, pour avoir plus de facilité pour traverser la mer Méditerranée vers l'Europe. Je ne suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue. Moi, je pense que c'est plutôt des miettes. Et que malheureusement, beaucoup de personnes se contentent de miettes, se contentent de semi-liberté. Je ne peux pas me contenter de quelques régularisations quand je vois que rien ne fonctionne autour et qu'il y a encore des personnes qui sont victimes d'abus de pouvoir. Il y a beaucoup de personnes qu'on renvoie aux frontières, qu'on tente de renvoyer dans leur pays. Moi, je pense que, je suis honnête, je pense que, comme pour d'autres droits, c'est pour endormir un peu les gens. Et beaucoup les personnes, l'Europe, en fait. Endormir l'Europe, car c'est en grande partie elle qui finance le Maroc pour des programmes d'accueil et d'intégration. Face à la situation toujours extrêmement difficile pour les étrangers subsahariens au Maroc, difficile en effet de voir les fruits de ces financements. Nous avons interrogé Gilles Cressant, responsable du projet Charaka, subventionné par l'Europe et mené de 2014 à 2017, dont un volet comprenait le développement de l'intégration des migrants subsahariens présents au Maroc. Nous lui avons demandé si de tels programmes étaient suffisants pour lutter face aux nombreux problèmes rencontrés par les subsahariens. Dans tous les cas, c'est un premier pas. C'est un premier pas dont je me félicite. Voilà, il n'y a pas un miracle au Maroc. Je suis arrivé ici en 2014. J'ai l'impression que, avant 2014, les immigrés qui étaient de passage étaient considérés ici par la population marocaine comme des fantômes, c'est-à-dire sans existence. Aujourd'hui, on leur donne le choix, la possibilité de rester au Maroc. Ce que dénoncent la plupart des associations, c'est le fait que les fonds d'aide au développement de l'Europe dépendent de contreparties sécuritaires. Cela mène, selon elles, à une instrumentalisation des personnes migrantes. Chaque passage clandestin de la frontière met davantage de pression sur l'Europe. Dans cette même logique, les pratiques de gonflage des chiffres sur les arrestations laissent croire à un nombre officiel de migrants plus élevé qu'en réalité. De temps en temps, on peut faire un effet d'éclat pour montrer « attention, nous sommes dans des difficultés, il faut nous donner un peu plus d'argent ». Donc on arrête, 200 personnes à Mlilia, alors que c'est nous-mêmes qui les ont laissés passer pour essayer, disons, de faire, d'attirer l'attention des Européens à être un partenaire économiquement important vis-à-vis. C'est ce qu'on a fait à un moment, si vous vous rappelez, il y avait 1000 migrants qui ont tenté de passer le grillage entre Nador et Mlilia. Alors, tu sais comment pour que 1000 migrants passent de Oujda jusqu'à Nador et de Oujda et de Nador vers la frontière, ça veut dire que la police leur a donné le chemin de passer. Quel que soit X, quelle que soit la méthode dont ils sont passés, et donc il y a quelque part cette réalité des choses. Plus le Maroc exerce cette pression sur l'Europe, plus il peut espérer que les financements qu'il reçoit d'elle sont élevés. Le phénomène migratoire devient alors un marché lucratif au détriment de l'humain.